Salut à tous et à toutes, c'est Panix. Rendez-vous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Titanfall. Nous sommes en partie privée, nous sommes sur un scrim face à la XS. Dire d'autres, c'est déjà pas mal. Donc CTF sur la map Demeter. Qu'est-ce qui est spécial avec cette CTF? C'est tout simplement que, vous l'aurez remarqué, il y a eu des parties, paramètres de parties privées qui sont sortis il y a un petit moment déjà. Et en fait, avec les meilleures équipes, on a été sélectionné pour pouvoir essayer d'aider à choisir des règles et placer des règles. La XS en fait partie. Tout simplement, là, donc on s'est fait une petite capture du drapeau avec un temps de réapparition un peu plus haut que la normale. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu tout ça. Ce que vous pouvez essayer de rapidement expliquer, on a mis en fait 7 secondes de délai de réapparition. Alors, à la base, il y en a 3. Mais en fait, sur ce jeu, vous avez la killcam. La killcam, elle compte comme parmi le délai de réapparition. Et si vous la supprimez, vous supprimez donc 3 secondes. Donc, honnêtement, vous avez 3 secondes de délai de réapparition. En fait, vous passez la cam et vous n'avez pas 3 secondes de délai de réapparition. Vous remarquez qu'ici on a quoi? On a même pas 3 secondes. Enfin, il faut que je regarde quand je meurs. Vous avez peut-être dû voir combien de temps exactement on a, mais on a je crois 4 secondes. 4 secondes de réapparition si on passe la killcam directement. C'est un peu gênant parce que parfois on aime bien regarder la killcam pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis normalement, sur Call of Duty, ça nous faisait passer. Vous avez passé le temps aussi du temps de réapparition tout simplement, alors que là non, si on veut vraiment réapparaître rapidement, ce qui est absolument primordial, et bah il faut passer la clickable. Donc quand on met 3 secondes quand on met 7 secondes de délai de réapparition, il y a en gros 4 secondes de délai de réapparition environ. Et ça c'était pour expliquer un peu le tout. Donc pour les paramètres de partie privée, on va pas faire non plus des changements énormes au niveau des règles. Je pense qu'on va rester un petit peu dans la base TF eSport. Mais ce qui est sûr, c'est que on essaie de regarder et il y a un gros débat qui se fait ces derniers temps. Donc j'ai pas eu le temps de. J'ai essayé d'y participer un peu, mais ce temps-ci, cette semaine, j'étais assez occupé. En tout cas, le gros débat, c'est. Est-ce que 7 secondes c'est trop? Enfin, il y a beaucoup de gens qui trouvent que 7 secondes c'est trop. Et beaucoup qui trouvent que c'est pas parfait, d'autres qui trouvent qu'il faudrait mettre moins, etc. Parce que l'argument de ceux qui disent qu'ils trouvent qu'il faut mettre moins, c'est le jeu est pas nerveux. Donc voilà pourquoi est-ce que j'utilise ce gameplay, c'est que, bon, pour être honnête, les XSX, ils étaient pas non plus super en forme. Mais en même temps, on a aussi un type de gameplay qui est bien adapté par rapport au temps de réapparition. Donc ça va être pratique, c'est vrai que ça sera à bénéfice pour nous en tout cas je pense dans le futur, mais en tout cas, enfin voilà, en gros, les XS, c'est vrai que je pense n'étaient pas en forme, c'était leur peut-être la première game qu'on faisait ou la deuxième, c'était la deuxième. Je crois qu'on a fait une domination avant. Enfin, bref, et c'est vrai que normalement ils se défendent mieux, mais je voulais quand même montrer ce gameplay histoire de voir que c'était tout à fait très nerveux. Puis bien entendu, comme je l'ai dit, à chaque fois que je mets un gameplay, d'accord, c'est un gameplay qui est censé nous mettre en avant, et puis me mettre en avant aussi moi, donc les XS sont très bien joués dans des autres parties aussi, lors de tournois. Histoire de ne pas avoir de polémique. Donc vous voyez qu'on a déjà passé le deuxième side. Donc je sais pas vous, spectateur de Titanfall eSports, alors je pense qu'il y a des spectateurs et des joueurs parmi peu de joueurs. Mais justement, j'ai voulu proposer ce gameplay pour que tout le monde voit à peu près ce que ça donne à 7 secondes. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir plus de stratégie. Je trouve que, parce que avant c'était vraiment un gros foutoir, c'est à dire que il y avait des équipes souvent qui mettaient par exemple 4 joueurs en défense,
Alors du coup, le temps de tuer 4 joueurs, bah il y en avait toujours qui revenaient, et puis il y avait un joueur qui faisait les allers-retours sur notre flag, et puis avec un peu de chance, parfois il le prenait ou pas, et du coup ça laissait place à un gros bordel sans aucune compétition, enfin sans stratégie. Compétition peut-être oui, mais pas stratégique, et du coup pas vraiment très skilled, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt quand c'est juste un foutoir et puis qu'on compte qu'on force comme ça sur un truc comme juste pousser un flag tout seul et puis essayer de se faufiler. J'ai envie de dire c'est un peu les sneaky qu'on peut retrouver en code, mais franchement quand on regarde des gameplays intéressants sur code, c'est vraiment du placement de terrain, du placement de map, et là sur Titanfall Esports tout simplement, si on mettait moins que 7 secondes, ce serait pas du placement de map mais du gros bordel. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que pense la Genius, je pense qu'il y a quelques autres équipes qui pensent comme nous. En tout cas, dans les équipes que j'ai choisies pour débattre sur les règles, il y a pas mal qui pensent comme nous. Et voilà quoi, en gros, je pense que c'était un peu notre point de vue. Et j'ai donné le point de vue des opposants de mon point de vue, tout simplement. Donc justement, j'aimerais bien votre avis. Si vous pouvez mettre un commentaire, ça serait cool. Je sais que les commentaires sont de plus en plus rares parce que avec leur Google Plus à con, c'est mal foutu. Mais moi, pour répondre, c'est un peu bizarre. Faut genre que je me connecte avec mon autre compte. Enfin, c'est bizarre. Je vais pas commencer à chercher, mais c'est vrai que voilà, mais si vous pouvez prendre le temps de mettre un petit commentaire, de dire ce que vous pensez par rapport rien qu'au gameplay, parce que quand on établit des règles, ce qu'on aime voir, putain j'étais en série de mort, ce qu'on aime voir c'est, enfin ce qu'il faut prendre en compte, c'est non seulement la jouabilité, que ce soit pas random, que ce soit vraiment la meilleure équipe qui gagne et pas celle qui a le plus de chance, parce que je trouve que justement arriver avec les titans, qui arrivait aussi avec justement ce respawn qui était trop rapide, et également aussi tout simplement la qualité qu'on peut proposer pour un stream, c'est à dire quand les gens regardent un stream de Titanfall en e-sport, qui s'amusent, qui prennent du plaisir, qui aient la hype, et que tout simplement que ce soit intéressant pour eux, que ce soit pas non plus un gros bordel, parce que c'est un grand bordel, autant regarder, je sais pas, c'est comme regarder une mêlée générale et puis de catch ou de je sais pas quoi, enfin bref, ça a pas beaucoup d'intérêt je trouve. Et moi c'est ce que je trouve dommage justement avec un petit temps de réapparition. Donc j'aurais beaucoup parlé de ce temps de réapparition. Je pense avoir tout dit là-dessus. Sinon pour les autres règles, bah y a pas grand chose à dire. Bien entendu, il y a les bots qu'il faut essayer de baisser, etc. Choisir si c'est des spectres ou des soldats qu'on va mettre, mais ça c'est pas le plus important. C'est un peu dommage, il y a pas mal de paramètres de partie privée qui manquent quand même. Pour le temps qu'ils ont mis, je pense qu'ils vont mettre encore un mois à balancer parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas fini. Ils vont mettre encore un mois à balancer les autres paramètres de partie privée, et si j'espère vraiment qu'on puisse enlever les bots dedans, parce que ça devient vraiment n'importe quoi, pas e-sportif du tout. Il y a certaines personnes qui disent que supprimer les bots ce serait dire non à la compétition. J'ai envie de dire regardez des bots sur Call of Duty, regardez des bots sur Battlefield, tuer des bots, se faire tuer par des bots, se faire repérer par des bots, ça enlève toute compétition et c'est complètement stupide. Si on veut faire une sneaky puis qu'on se fait repérer par des pilotes, par des bots, on se fait tirer dessus par eux quand on est one, on se fait tirer dessus par eux et on meurt. Non mais je vois même pas pourquoi je parle de ça, parce que ça va même pas être discuté. Si on peut enlever les bots, il faut le faire. Et certains viennent d'une autre planète, j'ai l'impression, parce que c'est quand même Titanfall est quand même un mix culturel, j'ai envie de dire, du jeu vidéo, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens de Battlefield, les XS viennent de Gears of War en général,
Il y a aussi, nous par exemple, on... c'est pas qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui viennent de Call of Duty, mais nous en tout cas on vient de Call of Duty, Genius. Et voilà quoi, je pense qu'il y a d'autres jeux aussi encore, mais on va pas commencer à faire tout un listing. Un petit truc de frag sympathique. Et je voulais dire quelque chose, ah oui, du coup nous on est toujours en train de faire des streams de notre côté. On essaie de s'améliorer, moi j'ai trouvé, on a des designs qui sont un peu améliorés depuis dernièrement. On a Luxus qui va commencer à stream lui aussi. Comme il a un PC bien meilleur que le mien, il fait des lives de bonne qualité. Moi c'est ça qui me fait chier, c'est mon PC, parce que sinon j'ai une meilleure co que lui, mais enfin bon. Et du coup, je voulais aussi vous parler très rapidement. On a commencé les Game Battles, c'est tout simplement des ladders qu'on fait. On avait réussi à être dans les 6 premiers en une soirée. On avait un 3-0 de ratio à la suite, 3 victoires à la suite, enfin voilà, pas de défaite. Et le souci c'est que on a joué contre des top finlandais, il y a eu une complication et en gros. Ils ont fait les gaps à faire play, les Finlandais, tout simplement, comme tout anglais qui se respecte, européen, j'ai envie de dire, plutôt. Zora s'est retrouvé à se faire ban, pour soi-disant fausse preuve, alors du coup on essaie de gérer ça. Mais on aimerait bien faire l'ascension jusqu'au top 1 européen. D'ailleurs, c'était le match contre les Finlandais était juste avant ce scrim. C'était deux matchs de Last Titan et puis un match de domination. C'est vraiment ridicule, mais enfin bon. On a réussi à gagner un Last Titan, donc c'était bien, on était bien contents de nous. Je pourrais peut-être vous le proposer des matchs de GB, ça peut être intéressant, voir d'autres choses. Alors, un style de jeu différent, et puis essayer de faire ça. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, surtout lâcher un commentaire, c'est super important. Que ce soit pour continuer à m'encourager, dire ce que vous pensez de mon travail. Et surtout aussi par rapport à la compétition, si vous préfériez voir du 4 secondes de réapparition, c'est-à-dire 7 secondes là, ou si vous pensez qu'il serait mieux de mettre moins, mais en tout cas moi je vous ai exposé mon avis. Et puis voilà. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, ciao, ciao.